Salut mes amis. Ceci est une carte de la Tunisie. La Tunisie est située sur la côte méditerranéenne du nord-ouest de l'Afrique, à mi-chemin entre l'océan Atlantique et le delta du Nil. Elle borde l'Algérie à l'ouest et au sud-ouest et la Libye au sud-est. Un virage abrupt vers le sud de la côte méditerranéenne au nord de la Tunisie donne au pays deux côtes méditerranéennes distinctes, ouest-est au nord et nord-sud à l'est. La Tunisie, officiellement la République tunisienne, est le pays le plus septentrional d'Afrique. Elle fait partie de la région du Maghreb en Afrique du Nord, bordée par l'Algérie à l'ouest et au sud-ouest. La Libye au sud-est et la mer Méditerranée au nord et à l'est. Il présente les sites archéologiques de Carthage remontant au IXe siècle avant Jésus-Christ. C'est, ainsi que la grande mosquée de Kairouan. Connue pour son architecture ancienne, ses souks et ses côtes bleues, elle s'étend sur 163 610 km² et compte 12,1 millions d'habitants. Il contient la limite orientale des montagnes de l'Atlas et la limite nord du désert du Sahara, une grande partie de son territoire restant est constituée de terres arables. Ces 1300 km de côte englobent la conjonction africaine des parties occidentales et orientales du bassin méditerranéen. La Tunisie abrite le point le plus septentrional de l'Afrique, le Cap Angel. Et sa capitale et plus grande ville est la Tunisie, située sur sa côte nord-est et qui donne son nom au pays. Bien que de taille relativement petite, la Tunisie présente une grande diversité environnementale en raison de son extension nord-sud. Son extension est-ouest est limitée. Les différences en Tunisie, comme dans le reste du Maghreb, sont en grande partie des différences environnementales entre le nord et le sud, définies par une forte diminution des précipitations vers le sud à partir de n'importe quel point. La dorsale, l'extension orientale des montagnes de l'Atlas, traverse la Tunisie en direction nord-est, depuis la frontière avec l'Algérie à l'ouest jusqu'à la péninsule du Cap Bon à l'est. Au nord de la dorsale se trouve-t-elle, une région caractérisée par des collines et des plaines basses et vallonnées, encore une fois une extension des montagnes à l'ouest de l'Algérie. À Kroumeri, le coin nord-ouest du Tell tunisien, les altitudes atteignent 1050 mètres et la neige tombe en hiver. C'est tout. Merci pour votre attention. Veuillez commenter et vous abonner pour les meilleures cartes. Adieu.